Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse pile à lire du Cold Winter Challenge. Je vous avoue que quand les menus sont sortis, j'étais assez pressé de faire ma pale. Donc là, j'ai le coude posé dessus. Donc on va commencer tout de suite. Surtout que cette année, je crois que c'est extraordinaire, mais ça fait la troisième année de suite que je vous fais une pile à lire. Et c'est la première fois où j'ai plein de lectures en rapport avec l'hiver, avec Noël et tout. C'est un truc de fou. D'habitude, je galère à trouver pour ce genre de catégorie. Et là, je suis content parce que j'ai ce qu'il faut. Bon, sinon, il est temps de commencer. Et du coup, on commence avec le premier menu qui s'appelle Magie de Noël. Et ici, on commence avec la première sous-catégorie qui s'appelle Coupe de Champagne, avec les mots-clés Romance de Noël, Amour, Amitié ou Adulte. Alors ici, clairement, j'ai pris le livre dont je vous ai dit qu'il serait parfait pour le Cold Winter. C'est Un hiver à pile ou face de Cara McDowell, édité chez Milan, donc c'est chez Page Turner plus exactement. Ici, on va suivre Paige Collins qui est paralysée dès qu'elle doit faire un choix. Et visiblement, elle va partir à New York et il va se passer pas mal de choses, notamment une rencontre, d'après ce que j'ai compris. Mais je pense que ça rentre dans la catégorie de la romance de Noël. On passe ensuite à un chant de Noël avec les mots-clés contre-écriture de contes, mythes et légendes. Et ici, j'ai décidé de découvrir Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, édité chez Gallimard. Je l'ai emprunté, je ne pense pas l'acheter pour des raisons personnelles que vous connaissez très probablement si vous partagez mes principes, mais du coup je suis quand même curieux, on me l'a conseillé, des amis à moi m'ont dit bon, vraiment quand même tu devrais le lire, donc je l'ai emprunté et je le lirai et je vous dirai rapidement ce que j'en ai pensé. On passe ensuite à Calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé et très honnêtement j'ai galéré à trouver un truc parce que je lis les résumés des livres même si j'ai tendance à les oublier. Donc à la base je voulais mettre le tome 7 de l'Atelier des Sorciers parce que même si je connais l'histoire, clairement je sais pas exactement le résumé du tome 7, donc je me suis dit allez on va mettre ça, comme ça fait l'occasion de mettre un manga. Donc voilà, au pire il est là, mais parfois il y a des bouquins où j'ai envie de les avoir parce que ils m'inspirent un truc, parce que j'en entends parler. Et du coup, des moments où oui, je lis pas le synopsis, même si je comprends à peu près de quoi ça parle, ou en tout cas sur quoi on part. Et du coup, il s'agit de The Black Flamingo de Dean Atta. C'est édité chez Slalom, et ce livre, alors très honnêtement, quand je l'ai ouvert, ça m'a hyper surpris parce que ça a l'air d'être en vers libre. En tout cas, c'est pas une forme traditionnelle, on va dire. Et clairement, voilà, j'ai pas lu la quatrième de couverture. Du coup, pour ce challenge, je vais jouer le jeu et je vais pas plus à lire que ça. Mais ici, on va parler de représentation queer et de représentation de personnages racisés. De plus, il s'agit d'un auteur noir. Toujours plus de diversité, vous savez que c'est très important pour moi. Et du coup, voilà, j'ai tellement hâte de lire ce livre. Si vous saviez à quel point j'ai hâte, voilà. Du coup, je pense que ça fera partie des premières lectures de mon challenge, bien que j'ai quand même pas mal de livres de Noël, vous allez voir, et que en toute logique, il faudrait que je les lise avant Noël, mais à mon avis, celui-ci va pas trop attendre. On passe au menu qui me tente le moins, et l'année dernière, j'avais pu l'échanger parce qu'il y avait un menu bonus, et sauf que cette année, il n'y a pas de menu bonus, donc je peux pas l'échanger, donc on s'adapte et on essaye de comprendre ce qu'on veut avec le nom des sous-catégories. Il s'agit du menu Hiver sombre. Voilà, clairement, c'est pas mon... c'est pas mon menu, mais on joue le jeu. Et du coup, la première sous-catégorie, c'est Nakata Tommy Tower. Alors je connais pas du tout, apparemment c'est un film de Noël un peu thriller, suspense, tout ça. Et du coup les mots-clés sont thriller, suspense, enquête. Et ici, pour rester dans les éditions Slalom, j'ai mis Cette nuit-là de Aurélie Massé, donc édité chez Slalom. Ici, d'après ce que j'ai compris, on va suivre plusieurs adolescents et un secret, une révélation va tout bouleverser
pour ces ados. Je sais pas plus que ça. Et en plus de ça, il y a de la neige sur la couverture, donc comment vous dire que c'était parfait pour le Cold Winter Challenge. On passe ensuite à Fantôme des Noëls passés. Et ici, les mots-clés sont Fantôme, Voyage temporel, Jeu avec les époques. Et ici, écoutez, il y a une année, je crois qu'il y avait un petit peu une sous-catégorie similaire. Et j'avais mis Un chant de Noël de Charles Dickens en livre. J'avais dit, voilà, potentiellement que je pourrais le lire si je l'achète. Et en fait, les éditions de Jungle vont m'envoyer Un chant de Noël d'après l'œuvre de Charles Dickens. C'est une bande dessinée, c'est une adaptation du roman de Charles Dickens. Donc, c'est le livre parfait puisque, pour ceux qui ne le savent pas, Fantôme des Noëls passés, c'est directement une référence à ce roman puisque, si vous avez vu Les Drôles de Noël de Scrooge, parce que je l'ai vu et du coup je sais, il y a Fantôme des Noëls passés, Fantôme des Noëls présents et Fantôme des Noëls futurs. Et ensuite, on passe à la dernière sous-catégorie qui est Nuit du solstice, avec les mots-clés angoisse, horreur, créature de la nuit. Alors, comment vous dire que je n'ai absolument pas tenu compte des mots-clés? Pour moi, Nuit du solstice, c'est la nuit la plus longue de l'année. Voilà. Ça paraît à peu près logique jusque-là. Et du coup, pour moi, qui dit nuit la plus longue de l'année, dit vraiment... il y a une allusion à la durée. Pour moi, c'est un livre très long. Une brique, quoi. Donc, j'ai pris Broadway Limited de Malika Ferjouk. Le premier tome, Un dîner avec Cary Grant, édité chez l'École des loisirs. Et là, c'est la collection Medium Poche. Et voilà, du coup, c'est une petite brique. Alors, en soi... Il n'y a pas tant de pages que ça. Enfin, bon, il y en a 600 quand même. En plus, ça se passe en hiver. Il y a de la neige sur la couverture. Voilà, c'est parfait pour ce challenge. Surtout que je l'ai acheté l'année dernière pour le SLPJ à Montreuil. Donc, vraiment, on est sur le décembre, sur l'hiver, sur la brique et les nuits de solstice. Voilà pourquoi j'ai mis ce livre ici. Bon, maintenant qu'on a passé ce fameux menu, on va passer à des choses un peu plus réjouissantes. Non, en vrai, ça va. Les lectures que je vous ai présentées juste avant, elles me tentent. Et heureusement que j'ai un peu filouté pour adapter un petit peu les sous-catégories à mes goûts. Et donc, on passe au prochain menu qui est Marcher dans la neige avec la première sous-catégorie qui est Vive le vent. Et ici, il faut lire un livre en hiver, pays froid ou voyage. Et ici, j'ai pris un livre qui se passe vraisemblablement en hiver. Il s'agit de Falalalalalalalala de Émilie Chazeran, édité chez les éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Ici, ça a l'air d'être visiblement pendant les périodes de Noël, hein, puisque l'allusion, rien que le titre, c'est une allusion à Noël. Apparemment, on suit une petite histoire familiale. C'est assez drôle. Globalement, je suis rarement déçu par les éditions Exprime chez Sarbacane. Donc, pour moi, c'est une forme de valeur sûre. On passe ensuite à Pommes de Pin, et les mots-clés sont animaux, écologie et nature writing. Alors, j'ai galéré à trouver un livre. Et en fait, je me suis dit, écoute, même si c'est pas de la fiction, c'est pas forcément le meilleur des livres à lire pour une ambiance cosy, tout ça, c'est quand même un livre que j'ai terriblement envie de découvrir pour ce que ça va m'apporter. Il s'agit des Lapins ne mangent pas de carottes, Hugo Clément, c'est édité chez Fayard, et je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, mais ici on va clairement parler de l'exploitation animale, et voilà, si vous connaissez Hugo Clément, vous connaissez ce genre de sujet qu'il traite, donc voilà, c'est pas hyper ambiance de Noël, mais on reste dans la catégorie écologie et animaux, donc c'est vraiment un combo, donc voilà pourquoi j'ai mis ce livre ici. Ensuite, nous avons Patin à glace avec les mots-clés sport, personnage athlétique ou aventure dangereuse. Et alors là, clairement, alors sport et compagnie, non, je n'ai pas ce genre de livre. Personnage athlétique, très clairement, ça sent le cliché à mort et non merci. Du coup, franchement, j'ai pas trouvé. Ou alors après, si c'est des personnages athlétiques, je ne suis pas au courant si je ne les ai pas lus, donc voilà. Et aventure dangereuse, clairement... Du coup, je me suis basé sur patin à glace. Patin à glace, c'est un truc qu'on met au pied. En soi, il n'y a pas trop de secret. Et du coup, j'ai décidé de mettre Cinder de Marissa Meyer, le premier tome, du coup, des Chroniques Lunaires, édité chez Pegagie. Je pense que vous avez compris pourquoi j'ai mis ce livre ici, simplement parce que, patin à glace, pied, chaussures sur cette couverture. En ce moment, c'est pas le genre de livre que j'ai envie de lire. Tous les autres, j'ai envie de les lire, je suis curieux. Autant lui, je l'ai mis un petit peu par dépit dans cette sous-catégorie. C'est un peu, ça peut vous donner une idée. Si vous avez cette édition-là, parce que je sais qu'ils ont fait une réédition de la couverture, est-ce que je le lirais? Je suis pas sûr, parce que pour le coup, ça fait pas partie des livres que j'ai le plus envie de lire, mais je ne savais pas quoi mettre dans cette sous-catégorie, tout simplement. Nous passons à mon menu préféré, je pense, qui s'appelle Yule.
Il y a quatre sous-catégories ici et on commence avec Au coin du feu et les mots-clés sont Feel Good, un livre que vous aimiez enfant. Et ici, j'ai décidé de partir sur le Feel Good et sur l'hiver aussi. Et du coup, j'ai mis Cet hiver de Alice Oseman, édité chez Hachette Roman. Une petite nouvelle sur l'histoire de Nick et Charlie. Vous connaissez probablement mon amour pour la saga Heartstopper. J'adore cette saga, elle fait un bien fou, elle vide la tête et elle fait plaisir à lire. Et du coup, voilà pourquoi j'ai mis ce livre ici. Ensuite, nous passons à la sous-catégorie Danse de la fée dragée, avec les mots-clés rêve, univers onirique, fantasy et fantastique. Et ici, j'ai mis un livre que j'ai mis plusieurs fois dans mes piles à lire, qui est là depuis des années, très clairement. Le tome est dédicacé par l'autrice. Ah, il n'y a pas la date, mais je crois que ça date de 2015. Et le pire du pire, c'est que la sphère littéraire sur Internet a en grande majorité lu ce livre. Voilà, clairement. Elle a même lu toute la saga. Il s'agit de La Passe Miroir. Le premier tome, Les fiancés l'hiver de Christelle Dabos, édité chez Gallimard Jeunesse. Voilà, je n'ai toujours pas lu ce livre, mais je crois qu'il va être temps. Vous savez quoi? Ce que j'ai fait, c'est que pour m'aider, j'ai repris une offre d'essai à Audible pour avoir un crédit audio gratos. Je l'ai pris en audiobook parce que je pense que ça va m'aider. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a plein de choses qui font que j'ai pas lu ce livre, notamment le fait que c'est une grosse brique, que la fantaisie et moi, c'est pas non plus un truc évident, je m'y mets tout doucement, mais sûrement. On passe ensuite à la sous-catégorie Iceberg, avec les mots-clés secret, secret de famille et mystère. Et là, j'avais le manga parfait. J'ai mis le tome 2 de Spy Family de Tatsuya Ando, édité chez Kurokawa. Saga que j'ai découvert pendant le Ice Cream Summer Challenge, si je ne dis pas de bêtises, et que j'ai adoré, c'était une super surprise. Et du coup, bah voilà, secret de famille, famille espion, voilà, on est sur le secret avec l'espionnage, on est sur la famille parce que c'est une famille, et voilà, du coup, pourquoi j'ai mis ce petit livre. Et on termine avec la sous-catégorie Reine des Neiges, avec les mots-clés femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Et ici, j'ai mis une BD, Bergère guerrière, le premier tome, de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, édité chez Glénat. Je pense qu'on est sur la femme de pouvoir, sur le féminisme, sur la force des femmes. Voilà, c'était la BD parfaite pour aller dans cette sous-catégorie. J'ai hâte de les découvrir parce que j'en ai que de bons échos. Je sais que mon ami Ninon, que vous connaissez probablement sous le nom Opaline, m'en a très souvent parlé en bien, donc j'ai hâte découvrir ça. Et bah écoutez, voilà pour ce Cold Winter Challenge édition 2022-2023. J'avais vraiment hâte de vous faire la pile à lire. Et dites-moi si vous participez au Cold Winter Challenge, ça m'intéresse de savoir. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez fait vos petites pales, comme ça j'irai voir sur vos chaînes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi j'ai fait une pale, si tu veux aller voir, et comme ça je pourrais aller jeter un œil. Et puis ça me permettra certainement de découvrir de nouvelles personnes, et personnellement j'aime découvrir de nouvelles chaînes. Je ferai certainement une pile à mood comme je l'avais fait pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce que l'hiver aussi ça se prête bien à regarder des films, des séries. Je vous glisserai encore peut-être quelques petits jeux de société, même si je vous en ai montré beaucoup la dernière fois. Je vais pas vous remontrer les mêmes jeux de société, j'en ai pas non plus assez pour vous faire une vidéo à toutes les saisons, hein, parce que voilà, en termes de budget c'est pas possible. Mais voilà, du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette petite vidéo. Et puis sinon il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao. Et je craque parfois. C'est pas grave. Bonjour. Voici mes livres. Je craque. Vraiment, je craque. C'est n'importe quoi.